Alléluia. Amen. Amène-moi là où tu veux, Jésus. J'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus. J'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus, j'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus, j'irai. Amène-moi là où tu veux, Jésus. J'irai, amène-moi là où tu veux, Jésus, j'irai, amène-moi là où tu veux, Jésus, j'irai. 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 Amène-moi au paradis, Jésus, j'irai. Amène-moi au paradis, Jésus, j'irai. Alléluia. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Voilà, nous allons, pour avoir plus de visibilité sur l'écran, nous allons éteindre la lampe et de temps en temps, on va allumer ça. D'accord? Quand j'arrête un peu au prêcher, tu allumes ça. Alléluia! Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur veut utiliser des choses, des illustrations pour nous parler. Parce que le Seigneur veut que nous utilisons tous les moyens pour vous convaincre à abandonner le péché, pour vous convaincre à vivre dans la sanctification corps, âme et esprit. Le Seigneur veut que nous crions encore, que nous insistons encore, s'il est possible, que nous passons toute notre vie à vous parler rien que de la sanctification, rien que de la repentance. Parce que quand vous allez quitter cette terre,
Le seul mot qui va vous faire entrer au ciel, le mot de passe qui va vous faire accéder au ciel, c'est sanctification. C'est pour ça que la parole dit que sans la sanctification, nul ne peut entrer au ciel. Donc nous ne serons pas fatigués. Alléluia. Amen. Tout ce que nous allons prêcher pour vous, en dehors de la sanctification, ne peut pas nourrir votre âme. Donc, ne soyez pas fatigués parce qu'on prononce trop ce mot-là. Au contraire, réjouissez-vous. Parce que si ce n'est que ce mot-là que vous entendez, tous les jours, tous les jours, tous les jours, votre âme sera en joie. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur veut que ce soit, nous parlons beaucoup sur la destination après notre mort, l'enfer ou le paradis, où atterriras-tu? Si tu meurs en Jésus, où est-ce que tu vas atterrir? Si tu meurs sans Jésus, où est-ce que tu vas atterrir? Les deux réalités existent. Les deux destinations sont réelles. Et la Bible nous atteste réellement sur l'existence des deux destinations, sur l'enfer et sur le paradis. Si nous prenons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, nous découvrons clairement que ces deux destinations apparaissent dans ce récit. Lazare a vécu dans cette difficulté sur la terre, dans la crainte de Dieu, et l'homme riche qui a aussi vécu dans sa vie de je m'en fous, sans jamais penser à la destination finale de son âme. Et bien, après sa mort, chacun des deux est atterri à un endroit précis. Le Seigneur, je veux que toi aussi, de ton vivant, que tu aies toutes les informations sur cette destination. Et que quand tu vas quitter, tu ne sois pas surpris. Alléluia. Alléluia. Que rien ne te surprenne quand tu vas quitter cette terre. Au portail du ciel, que tu ne dis pas, Seigneur, pourquoi est-ce que quand j'étais sur terre, tu ne m'as rien dit? Pourquoi quand j'étais sur terre, tu ne m'as pas informé? Pourquoi quand j'étais sur terre, tu n'as pas envoyé quelqu'un pour me parler de l'enfer? On va te rappeler que le groupe Jésus revient était venu au Sénégal, au grand quartier Niort, dans un petit coin, sur le toit d'une maison, et on va te montrer que tu étais aussi présent. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, les caméras du ciel
sont en train de tout filmer. Même celui qui est à la maison en train d'écouter des petites paroles qui sortent d'ici là, lui aussi on va lui dire ça. Alléluia. Nous avons reçu mandat de tout faire pour convaincre les hommes que le paradis est réel. Nous n'avons pas un autre message. Nous ne savons pas quoi d'autre prêcher. Nous n'avons pas fait les écoles de développement personnel pour vous aider à vous développer personnellement. Alléluia. Mais la mission que nous avons reçue, c'est de vous aider à développer votre savoir spirituel pour que vos âmes se portent très bien. Où ira ton âme? Si tu meurs sans Jésus, où est-ce que ton âme va atterrir? Cette question est très très importante que chacun de nous cherche à répondre. Chanson le dit, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui s'en foutent de Dieu, un jour ils vont se retrouver à ce grand carrefour, le carrefour de l'au-delà, le carrefour que tout être humain doit franchir, doit se retrouver après sa mort. Et malheureusement, chaque religion présente ça à sa manière. Mais c'est la Bible qui la présente de la meilleure manière. Dans le livre de Deutéronome, l'Éternel dit : je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Autrement dit, l'enfer et le paradis. Les deux sont devant toi. Et toi-même, de ton vivant, le Seigneur te permet de choisir ce que tu veux. Tu choisis de ton vivant. Si tu choisis l'enfer, vis comme tu veux, vis ta vie comme tu veux, à 360 degrés l'heure, bois ce que tu veux boire, fume ce que tu veux, adore tout ce que tu veux. Ça, c'est la vie sans panneau stop. Mais vous savez, quand on roule sur une voie sans feu tricolore, vous-même vous imaginez comment ça se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas de panneau stop, il n'y a rien. Eh bien, les dégâts sont là. Le Seigneur veut que toi, tu choisis la vie. Tu choisis le paradis. Tu choisis le ciel. Et que tu vives comme quelqu'un qui choisit le ciel en marchant
dans la crainte totale de son nom. Je vous l'ai dit, hein, ce que vous êtes en train d'entendre depuis que nous sommes là, et ce que vous allez encore voir, beaucoup n'auront pas cette grâce. Beaucoup n'auront pas cette grâce d'entendre ces choses, de voir ces choses, même une seule fois, avant de mourir. Et cela ne les dédouane pas de l'enfer aussi. Parce que, comme on a l'habitude de dire, nul n'est censé ignorer la loi. Dieu a écrit dans le cœur de chacun la crainte de son nom, la loi. Et quand tu veux faire du bien, tu le sais. Quand tu veux faire aussi le mal, tu le sais. Mais toi, le Seigneur t'aime tellement qu'il t'a sorti du monde et qu'il te compte parmi ses élus. Donc, il est important que tu prennes au sérieux toutes ces choses qu'il te permet d'entendre pour que tu puisses aussi informer ceux qui sont dehors, ceux qui vivent leur vie sans penser à demain, ceux qui vivent leur vie sans penser que tout peut finir n'importe quand. Alléluia. Donc voilà, le carrefour est là. Et chaque individu va se retrouver à ce carrefour un jour. Qui que tu sois, quels que soient tes milliards, quelle que soit ta religion, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta beauté, quel que soit tout ce que tu es, tu vas te retrouver là. Et quelle sera ta destination? Où est-ce que tu vas atterrir? Où est-ce que tu vas atterrir? Est-ce que tu es sûr de là où tu vas atterrir? Le Seigneur veut que tu te poses cette question. Ce que chacun aura semé, il va le moissonner. Mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais, voilà. Vous avez vu? Que diras-tu à Dieu? Cette dame a emprunté la gauche et directement elle est atterrie dans le feu. Nous allons voir celle-ci aussi, quelle serait sa destination. Si tu mourrais de aimer, que diras-tu? Voilà. Est-ce qu'elle va entrer? Voilà. Elle n'a pas été admise parce qu'elle n'a pas rempli les conditions. Pour entrer au ciel, il y a forcément des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir sur terre. Ce n'est pas après ta mort que tu vas remplir les conditions là-bas. C'est de ton vivant. Ce n'est pas le jour de ton voyage que tu vas aller chercher le visa. Ce n'est pas à l'aéroport qu'on cherche le visa. Hein? Alléluia. Ce n'est pas à l'aéroport. Avant ton voyage, avant le jour de ton voyage, tu as déjà remplis toutes les formalités. C'est pareil. Pour entrer au ciel, il y a aussi des formalités à remplir.
de ton vivant, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, marcher selon ses commandements, marcher selon sa volonté, parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si réellement tu as choisi Jésus, si Jésus te dit ne fais pas ça, tu dois obéir. Si Jésus te dit ne touche pas à ça, tu dois obéir. Sans raisonnement, sans argument, mais tu dois obéir. Elle, de son vivant, malheureusement, elle a passé tout son temps à ne pas chercher la volonté de Dieu. Et donc, au portail, elle n'a pas pu accéder. Vous-même, vous voyez un peu sa présentation. Vous pouvez imaginer la vie qu'elle a menée sur terre. Je vous le dis en vérité, la manière dont vous comportez sur terre, la manière dont vous utilisez votre corps spirituellement, c'est exactement comme ça que votre âme se trouve. Si tu t'habilles de façon indécente sur terre, c'est que ton âme aussi reçoit la même image. Et vous voyez celle-là, la manière dont elle s'est habillée avec la mini-jupe. Quelqu'un qui doit entrer au ciel de son vivant doit se dépouiller du cœur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Certains vont vous dire non, il faut se dépouiller du cœur, que c'est le cœur que Dieu regarde. Or, quand tu veux porter des choses de Jézabel, ça vient du cœur. Alléluia. Ça vient d'abord de l'intérieur, du cœur. Quand tu veux t'habiller demain matin, la manière dont tu veux t'habiller demain matin pour aller au boulot là, ça vient de ton cœur. C'est ton cœur qui médite ça. C'est ton cœur qui va te dire de t'habiller telle manière, telle façon, c'est ton cœur. Donc ceux qui disent que non, Dieu ne regarde pas le corps, que c'est le cœur, eh bien, c'est depuis le cœur que les choses se passent jusqu'à transparaître. Alléluia. Donc si ton cœur est purifié, lavé, sanctifié, ça doit produire aussi dehors des choses pures. Donc, voilà, effectivement, Dieu regarde le corps. Et cette fille, elle n'a pas pu accéder. Malgré ses plaintes, elle n'a pas pu accéder. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous raquez le ciel, il n'y a pas possibilité que vous revenez sur terre pour venir vous corriger. Il n'y a pas possibilité que vous dites, ah voilà Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce, je vais revenir sur terre pour me repentir. Non. Si tu es refoulé au portail du ciel, directement, c'est l'enfer qui t'accueille. Il n'y a pas autre possibilité. Il n'y a rien à faire. Après la mort, c'est une destination. Il n'y a pas une possibilité de rachat. Il n'y a pas un moyen de demander la faveur de Dieu pour l'obtenir. Les religions qui disent non, il y a un coin, un emplacement où on va aller achever sa purification avant d'atterrir au ciel, ou bien après un ange descend pour venir chercher ceux qui ont atteint leur purification pour les amener au ciel. Ce n'est que des paroles trompeuses religieuses. Le purgatoire n'existe pas. Si tu meurs dans la vie de poubelle, directement, c'est
prédestination envers. Et si tu meurs, dans la repentance, la grâce de Dieu va t'accueillir au ciel. Donc, ici, elle n'a pas pu accéder parce que elle ne remplit pas les conditions. Et donc, elle a été refoulée. Refoulée. Eh bien, voici le tour de celui-ci. Est-ce que lui, il va accéder? Est-ce qu'il va accéder? On va lui poser des questions. Ce que chacun aura semé, il va le moissonner. Et donc, il a été justifié, il a trouvé grâce devant le Seigneur et les portes du ciel lui sont ouvertes. Et je prie que la même chose se passe sur toi au nom de Jésus. Alléluia! Un jour, tu vas accéder facilement au ciel au nom de Jésus. Mais tu dois obéir. Maintenant, voilà la destination. La destination des deux côtés. Voilà ceux qui sont allés en enfer. Ce qui se passe sur eux, c'est des pleurs. Le Seigneur nous parle de là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le lieu de tourment. Même le feu terrible, même là, c'est pas même encore allumé. Ça là, c'est actualité. Ce qu'on vit, tous ceux qui atterrissent actuellement en enfer, là, ceux qui vivent, ce n'est que actualité. Le grand feu même n'est pas encore allumé. Et ça là, déjà, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Alléluia. Parce que les tourments sont terribles. Ce qui s'est passé jusqu'à ce que un grand milliardaire a demandé qu'on prenne et Lazare pointe son petit doigt dans l'eau et de faire goûter dans sa bouche là où il est en enfer. Ça veut dire que il a extrêmement soif. Et il meurt de soif. Ceux qui ont reçu la grâce de visiter l'enfer, ils peuvent vous décrire. L'un des premiers signes de l'enfer, c'est la soif à mourir. La soif à mourir. Des gens vont même prendre leur sueur et la ça pour avoir un temps de soulagement qui ne trouve pas. L'odeur en enfer est terrible. Au milieu des vers qui rongent, au milieu des pourritures, et à côté de tout ça, au milieu des démons qui torturent, la Bible parle des impies qui torturent. Et catégorie par catégorie, ce que chacun a fait sur terre, il va se retrouver à cet emplacement en enfer. Si tu as passé toute ta vie dans l'impudicité, il y a le quartier de l'impudicité, où ceux qui ont vécu dans l'impudicité sont accueillis. Il y a le quartier des voleurs. Il y a le quartier des menteurs. Il y a le quartier des incrédules. Il y a le quartier des religieux qui se
fous de Dieu de toute leur vie, ou qui ont adoré Dieu sous la colère de Dieu, c'est-à-dire adorer Dieu à l'envers, adorer des choses qui ne sont pas Dieu, catégorie par catégorie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut jamais que aucun de ses enfants, aucune créature humaine n'aille à cet endroit. Le Seigneur ne veut pas. Mais l'homme se force lui-même pour aller. L'homme même, là, il se force pour aller. Là où on dit, il y a la mort, c'est là l'homme court pour aller. Sinon, vous-même, regardez sur la terre, les plus grandes religions sur la terre. Regardez. Regardez, pour un Sénégal de plus de 20 millions d'habitants, regardez l'effectif qui est ici, qui veut entendre ces choses-là pour aller au ciel. Regardez. Alléluia. Si nous étions des grands stars, hein, avec des boucles d'oreilles sur les boucles d'oreilles, avec des coiffures tectoniques de l'enfer, et tout ça là, c'est depuis l'aéroport même qu'on viendrait nous accueillir. C'est depuis l'aéroport qu'on viendrait nous accueillir. Et toutes les chaînes de télévision du Sénégal nous auraient déjà montré. Mais la seule chaîne qui nous a réussi, quand vous dites, c'est-à-dire, on a mis embargo sur la vidéo que nous avons faite. Je vous dis, on a mis embargo. On a mis embargo sur ça. On a censuré. On ne veut pas sortir. Parce que le message est tellement fort qu'on ne veut pas que ça sorte. Et c'est de pression, de pression, de pression. Et c'est le mari de notre soeur qui a appelé le patron même. Qui dit, mais la vidéo qu'on est venu faire chez vous là, c'est devenu quoi? Et ils ont lâché. Mais pour lâcher, ils ont crypté. Pour que tout le monde ne puisse pas suivre la vidéo. Donc, on a lancé le direct. Certains ont accès au son, mais d'autres ne reçoivent pas le son. Et beaucoup se sont plaints. C'est là qu'on a compris que la vidéo même, le son a été crypté. Donc ceux qui n'ont pas de portable de haut de gamme ne peuvent pas suivre ça. Et nous-mêmes maintenant, on a repris le montage avant de republier. Voilà comment la vérité est combattue sur la terre. Vous avez vu ça? Or, si on était allé faire le show là-bas, avec des filles qui sont habillées moitié nues, oh, tout le Sénégal va applaudir. Voyez, nous sommes dans ce monde comme ça. Dans ce monde où les gens ont la facilité d'acclamer pour les choses de l'enfer. Quand la chose vient de l'enfer là, tout le monde doit aimer. Je vous dis la vérité. Si la mode vient de l'enfer, tout le monde acclame. Si la religion vient de l'enfer, tout le monde acclame. Si le produit vient de l'enfer, tout le monde acclame. Si la tendance vient de l'enfer, tout le monde acclame. Ça doit acclamer. Mais les choses venues du ciel, c'est une poignée de personnes qui vont accepter avec difficulté et ils seront persécutés par la grande masse. J'imagine ce que chacun de vous souffre. Surtout les femmes au foyer qui se sont dépouillées. J'imagine ce que vous souffrez. Et le ciel aussi voit ce que vous souffrez. Et le Seigneur dit, persévérez encore. Persévérez encore. Parce que le temps que vous allez passer dans cette souffrance sur terre, non, c'est insignifiant. Ça n'a rien de comparable au temps que les gens vont passer dans ce feu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
c'est pas qu'ils vont passer 1000 ans et 1000 ans après on va les sortir, non, hein. C'est pas parce que c'est pas qu'ils vont passer 1 million d'années et après Dieu va se souvenir d'eux. C'est pas ça, hein. On dit éternellement, l'enfer éternel, le feu éternel qui ne se tient point. Donc mieux vaut que vous acceptez les persécutions, les tribulations, les injures, les tortures, les rejets. Acceptez tout ça là sur la terre. Et chaque fois, bénissez le Seigneur. Et demandez le Seigneur de vous fortifier encore, de vous donner la force pour que rien ne vous ravit de ce chemin. Parce que quand vous allez vous retrouver à ce carrefour là, il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Donc, peuple de Dieu, ceux qui sont atterrés en ce lieu, ce sera des pleurs, des grincements de dents, des douleurs pour l'éternité et pour l'éternité. Et ce fait, le Seigneur ne l'a pas créé pour l'homme. Ne l'a pas créé pour l'homme, mais ça a été créé pour notre adversaire commun, pour le diable. Mais lui, pour se venger de l'homme, il a juré qu'il n'ira pas seul. Il a juré qu'il n'ira pas seul. Et c'est pour ça qu'il va multiplier les dégâts sur la terre. Il va multiplier les choses abominables sur la terre pour que les hommes puissent tomber dans son piège. Tout ce qu'il fait actuellement sur la terre, ce n'est que des pièges. Des pièges qu'il tend partout, 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 des pièges, des pièges, des pièges, pour capturer les hommes. Et il en capture au maximum. Mais le Seigneur Jésus, il veut que nous ouvrons les yeux, que nous travaillons pour sortir de ces piège. Et s'il te sort, toi aussi tu dois travailler pour sortir les autres, pour aider les autres, les informer tout au moins, pour qu'ils sortent de ces pièges infernaux de l'ennemi avant le jour J. Donc, voilà le feu qui ne s'éteint point. Et des hommes sont là, au milieu des tourments, des tortures, en train d'être persécutés encore et encore et encore et encore. D'être torturés encore, encore et encore. Mais pour ceux qui ont été accueillis au ciel, c'est au milieu des fanfares acclamés pour Jésus. Alléluia. Lorsque vous atterrissez au portail du ciel et le portail s'ouvre pour vous, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui vient vous accueillir pour vous amener dans son royaume, au milieu des chants et des danses. Parce que le Seigneur, la parole dit que lorsque le pécheur se répand, dès même de sa repentance sur terre, la fête commence au ciel. Et imagine, le jour où il rentre à la maison, c'est de grandes fêtes. Alléluia. C'est de grandes fêtes. Mais tu dois travailler. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Tu dois renier ta chair. Accepter que ta chair souffre, pour que ton âme puisse vivre. Mais si le jour tu vas te retrouver dans cette gloire céleste, tu vas oublier toutes les persécutions que tu as vécues sur terre. Tu vas oublier toutes les tribulations, les injures, les rejets. Tu vas oublier tout, je te dis. Ça disparaît même. Ça disparaît. Ça disparaît. Je te dis, tout ce que tu souffres sur la terre,
C'est parce que tu es dans un corps physique que tu sens les douleurs. Alléluia. C'est parce que tu es dans un corps que tu sens les douleurs. C'est pour ça que dans ta prière, demande au Seigneur de te briser. Alléluia. De te donner la force de traverser les persécutions. Même au milieu des persécutions, qu'il te donne la force de traverser. Parce que la gloire qui t'attend derrière cette persécution n'a rien de comparable à toutes les gloires sur terre. Alléluia. À toutes les gloires sur terre. Toutes les gloires sur terre, lorsqu'on les rassemble toutes, ça ne peut pas être comparé à la gloire du ciel. La gloire du ciel, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et le Seigneur veut que tu persévères encore, tu persévères encore, tu persévères encore. Donc voilà comment ceux qui sont accueillis au ciel seront accueillis au milieu des louanges, au milieu des acclamations, au milieu des félicitations, au milieu des anges. Ils seront habillés dans leur robe blanche devant le trône de l'agneau qui va essuyer toute l'âme de leurs yeux et qui va les accueillir dans le repos éternel. Nous allons suivre. Nous allons suivre maintenant. Nous allons suivre voilà les tortures même de l'enfer, tout ce qui se passe pendant la mort d'un être humain. Qu'est-ce qui se passe lorsque le corps veut quitter, l'âme veut quitter le corps pour que l'homme sort de son corps, l'enveloppe corporelle. Quand l'enveloppe corporelle va se vider de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Les dernières secondes, toi-même, tu sens déjà que quelque chose veut se passer. Et tu ne commences pas à sentir des douleurs. Tu vas commencer par sentir des douleurs atroces, des douleurs atroces, des douleurs, sur le lit, des pleurs et des pleurs. Et en ce moment, on va te faire vivre le film de ta vie. On va te faire vivre le film de ta vie. Ce que tu as tourné sur la terre, la manière dont tu as vécu sur la terre, tu vas commencer par le... C'est que ça commence à passer devant toi comme ça. Mais tu ne peux plus ouvrir la bouche pour parler. En ce moment même, c'était sans qu'ils soient en train de crier, mais leur voix ne sort pas. Leur voix ne sort pas. Et lui, on est en train de lui montrer la vie qu'il passe, la vie qu'il mène dans l'alcool, dans l'ivraillerie, dans les bars, dans les restos,
de lui. On est en train de lui montrer cela. Mais son corps est déjà au lit et ne peut plus rien faire en ce moment. En ce moment, c'est plus possible. Voilà, on est en train de lui montrer le temps qui passe dans les ghettos, dans les lieux, hein, de païens. On est en train de lui faire montrer, de lui montrer cela. On est en train de lui montrer comment il amène les femmes dans les chambres de passage. On est en train de lui montrer cela. On est en train de lui montrer comment il laisse sa femme à la maison pour amener la femme d'autrui dans la chambre de passage. On lui a montré comment une fois sa femme même est venue le surprendre et donner des paires de gifles à l'autre. On est en train de lui montrer cela. On est en train de lui montrer les jeux, les dés, tout ça là. On a déjà donné des enseignements sur ces choses-là. Le chrétien, le temps que le Seigneur nous accorde sur la terre est tellement précieux. Une seconde, c'est trop cher pour perdre son temps dans ces choses-là. Le chrétien qui va passer son temps à aller jouer belote, à aller jouer ludo, à aller jouer et les dés, le chrétien n'a plus ce temps. La Bible dit racheter car les jours sont mauvais. Je vous le dis en vérité. Le temps, chaque seconde là, c'est trop précieux pour le chrétien pour aller perdre son temps dans ces choses-là. Chrétien, tu vas voir devant comment on appelle ça? Les jeux du monde, c'est quelqu'un certainement qui ne connaît pas la valeur de son salut. Si vous n'avez rien à faire, prenez votre Bible, allez rester dans un coin de la rue, évangéliser, allez prêcher. Le ciel va montrer que ah voilà, voilà quelqu'un qui connaît la valeur de son salut. Et quand tu vas aller rester dans ces choses-là, un milieu vraiment indigne pour les chrétiens. Si tu es là et la trompette sonne, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'enfer. Et le Seigneur ne veut pas te voir en enfer. Et donc, on est en train de lui montrer ces choses. Le son ne sonne pas toujours. On est en train de lui montrer ces choses. On est en train de lui montrer. Et après tout cela, il va donner son dernier soupir. Et puis, ça va expirer. Après son expiration, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps a fini sa mission sur la terre. Le corps, la chair là, ça finit sa mission sur la terre. Lui, il n'ira nulle part. C'est là, le Seigneur dit, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc le corps retourne à la poussière. C'est ce corps que les gens vont prendre pour amener au cimetière. C'est ce corps que les gens vont prendre pour organiser leur rituel, leur cérémonie, tout ce qu'ils veulent. D'autres vont même organiser la fête. Ce corps a fini sa mission. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
L'âme va sortir du corps. Ton âme va sortir. Vous voyez, pendant les prières, on demande au démon. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Voilà, c'est ce que les démons vont prendre pour cacher. Pour amener, pour emprisonner là. C'est ça. Parce qu'il sait que quand ça là, c'est libre, tu peux aller au ciel. Donc si un démon te possède là, la première chose qu'il fait, c'est de capturer ton âme et de mettre ça en chaîne, en prison. Alléluia. C'est pour ça que lors des délivrances, on demande, on ordonne au démon de rendre l'âme de la personne. Certains démons vont dire, j'ai caché son âme au cimetière. D'autres vont dire, je l'ai caché dans la mer. D'autres vont dire, je l'ai mis dans un arbre. Et c'est enchaîné. Toi, tu es un corps sur la terre, en train de faire tout ce que tu veux. Or, ton âme est enchaînée quelque part. Si tu n'as pas Jésus, qui va te libérer? Si tu n'as pas Jésus, qui va te délivrer? Alléluia. Et donc, voilà, son âme, au moment où il a expiré, eh bien, l'âme est sortie de son corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se voir qu'il est devenu deux individus. Il va regarder derrière, il va voir son corps sur le lit. Mais il se voit encore lui-même debout. Il devient deux personnes. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Regarde. Voilà. Son corps qui est couché. Mais il se voit encore debout sur le lit. Devant le lit. En ce moment précis, c'est que tout devient bizarre. Tout devient bizarre. Tu vas voir les choses physiquement. Mais toi, tu es déjà esprit. Parce que là, maintenant, ton corps est déjà mort. Ton corps a déjà fini sa mission sur la terre. Donc, c'est ton âme maintenant qui veut expérimenter les choses. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. Tel que tu es physiquement, c'est tel ton âme se trouve spirituellement. Alléluia. La même manière que tu te présentes physiquement, c'est de cette manière que ton âme se présente. Donc, il va voir que, il est devenu deux personnes identiques. Il va aller même chercher à aller attraper son corps qui est sur le lit. C'est le vent, il va attraper. Pourquoi? Parce que il n'est plus de ce monde. Il n'y a plus de connexion entre lui et la terre. Lui, il est déjà détaché de la terre. Alléluia. Il est déjà déconnecté de la terre. Donc, il va voir les choses qui se passent sur la terre, mais il n'a plus assez. Il va voir son salon, il va voir sa télé, il va voir la chaise, il va voir son pote, il va voir tout. Mais quand il veut prendre quelque chose, c'est le vent qu'il va attraper. Quand il veut toucher quelque chose, c'est le vent qu'il va attraper. En ce moment même, il va voir sa femme en train de pleurer. Sa femme en train de pleurer. Mon époux est mort. Mon mari est mort. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. C'est cool. Lui-même va se présenter devant sa femme. Mais je ne suis pas mort. Je suis là. Je suis vivant. Regarde. Je suis là. Et il va chercher à embrasser sa femme. C'est le vent qui va embrasser. Il ne va rien comprendre. Il dirait, qu'est-ce qui se passe? Il va toucher n'importe quoi. C'est du vent. Il va voir ses enfants en train de pleurer, en train de crier. Il va les attraper. C'est du vent. C'est en ce moment, il va se rendre compte que, effectivement, il n'est plus de ce monde. Effectivement, il n'est plus parmi les vivants. Et c'est lui-même qui va se rendre compte qu'il est mort. C'est à ce moment, une voix va lui dire, fils de l'homme, tu es mort. Tu es mort. Et tu n'as plus aucune part
de tout ce qui se fait parmi les vivants. C'est là le livre de Ecclésiaste 9, versets 4 à 6 intervient. Tu n'as plus aucune part parmi les vivants. Le temps que tu passes dans les bars, c'est fini. Le temps que tu passes dans les champs de passage, c'est fini. Le temps que tu passes à se moquer de Dieu, c'est fini. Ton dossier est plié. En ce moment, il n'a pas Jésus. S'il avait confessé Jésus, s'il avait donné sa vie à Jésus-Christ, avant sa mort, le ciel a déjà donné la lettre pour envoyer deux anges pour venir le chercher. Plusieurs ont expérimenté cela. Alléluia. Deux anges pour venir le chercher. Vous dites, ah, il y a un élu qui doit rentrer à la maison aujourd'hui. Les anges viendront se pointer là. Et dès qu'il expire, les gens vont prendre son âme et l'amener l'air pour le conduire au ciel. Mais il n'a pas Jésus. Il n'a pas reçu le sceau de l'agneau. Il a passé sa vie comme il veut. Peut-être que c'est un chrétien qui a vécu sa vie dans tous les péchés qu'il veut et qui ne s'est pas repenti. Je vous dis, mettez de l'ordre. Vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Alléluia. Ce que j'ai dit, ça peut arriver sur moi même au moment où je parle et vous allez voir le micro tomber. Alléluia. Nous ne sommes absolument rien sur terre. Je vous le dis. Ce qui nous maintient vivants comme ça, ce qui nous maintient, ce qui me maintient debout devant vous là, ça ne pèse pas un milligramme. Le souffle que Dieu a mis en moi, c'est ça qui me maintient vivant. C'est ça qui me maintient debout. Mais ça ne pèse pas un milligramme. Alléluia. Donc je suis absolument rien sans ce souffle-là. Donc lorsque ce souffle-là me quitte, je tombe par terre comme un sac de maïs. C'est comme ça. Nous ne sommes absolument rien. Il faut avoir ça dans ta tête. Tu n'es rien. Le souffle que Dieu a mis en toi, c'est ça qui t'a maintenu vivant. Tu n'es rien. Même le plus fort, l'homme le plus fort de la terre, ce qui le maintient vivant ne pèse pas un milligramme. Et quand Dieu arrache ça, vous voyez comment on dégonfle le ballon là, ça fait pfff. C'est comme ça l'homme aussi était pfff. C'est comme ça tout individu. C'est pour ça que la Bible dit malheur. Malheur à ceux qui se moquent de Dieu. C'est pour ça que les hommes font tous les bruits sur la terre, mais Dieu croise les bras. Il se rit de l'homme. La Bible dit, Dieu se rit des humains. Parce qu'il sait que ce qui les maintient debout là, ça ne pèse rien. Quand il enlève ça seulement, l'homme est déjà devenu poussière. Sa richesse, son argent, sa beauté, tout ce qu'il a, fini. Vanité des vanités. Alors, que vas-tu faire sans la crainte de Dieu? Attention, ce jour attend tout le monde. Je vous le dis, tout le monde le vit avant de partir. Donc, souviens-toi de ce jour terrible. En ce moment, ceux qui n'ont pas Jésus, directement, les démons avec qui il a travaillé sur la terre. Si tu as vécu dans l'impudicité, les démons de l'impudicité sont avec toi là. Ils sont pressés de t'amener en enfer.
si tu as vécu dans la vie d'incrédulité, tu te moques de Dieu, tu t'en fous de Dieu, tu n'as pas cherché à marcher avec Dieu, dans la crainte de Dieu, tu vis comme tu veux sur la terre. Les démons qui t'ont poussé dans chaque péché, parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Alléluia. Avant-hier, on priait pour la sœur, pour une sœur, et il y a l'esprit de tromperie et l'esprit de la peur qui se sont manifestés. Alléluia. Esprit de tromperie et l'esprit de peur se sont manifestés en elle. Et on les a chassés. Donc, derrière chaque péché, toi qui trompes les hommes, tu es maintenant informé que derrière la tromperie, il y a un esprit. L'esprit qui te donne le talent pour tromper les hommes. Tu trompes les hommes, tu as la facilité de leur mentir et ils te donnent de l'argent. C'est de l'argent maudit. Le jour où tu vas quitter la terre, le démon qui t'a donné le talent là, tu vas payer à ce démon là. C'est pour ça que l'homme doit vivre la repentance. La repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Au jour le jour. C'est pour ça que le Seigneur a fait la grâce aux chrétiens d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui te, il te purifie. C'est que il te conduit dans la marche. Et toi-même, quand tu veux faire quelque chose qui est mauvais, il te rappelle pour dire ça, c'est mauvais. Alléluia. Mais quand tu endurcis ton cœur, tu fermes tes oreilles, tu fermes ton cœur pour ne rien entendre. Tu fais ce que tu veux. Eh bien, le dernier jour, les démons qui t'ont poussé à faire telle chose, telle chose, telle chose là, tu vas te retrouver avec eux. Alors attention. Donc voilà, les démons qui l'ont aidé de son vivant à vivre la vie qu'il veut, eh bien, directement, ces démons-là sont envoyés. Ce temps déjà là, aussitôt qu'il est sorti de son corps, ils se sont saisis de lui. Et ils l'ont capturé directement à l'enfer. Et voilà. Voilà. Ils l'ont capturé. Hey, voyez comment les policiers attrapent les voleurs. Hey, vas-y. Et voilà, ils l'ont capturé. Maintenant, ils l'ont amené. Voilà. On lui souhaite bienvenue en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Tu n'iras jamais là au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut vivre dans la crainte totale de Dieu. Le Seigneur n'a pas créé ce lieu pour l'homme, je le rappelle et je le répète. Mais c'est pour le diable et ses anges. Mais l'homme, tellement naïf, accepte facilement les pièges de l'ennemi et tombe dans ses pièges. Maintenant, toi, le Seigneur est en train de t'informer pour que tu n'ailles jamais en ce lieu. Là où il y a des pleins d'écrissements de temps. La particularité de l'enfer, c'est que tu seras nu. 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 Vas-y. Vas-y. On le pousse. Voilà. On va te pousser. Il va se retrouver devant l'accusateur.
l'accusateur des frères qui a accusé Josué. On va lui montrer les choses dont il est accusé. Voilà. Avec des versets bibliques, hein? Avec des versets bibliques. Avec des versets bibliques. On va lui montrer sur le grand écran le temps qu'il passe sur la terre. Et l'accusateur va se rire de lui. Ah, voilà, au moment où tu fais ces choses, tu ne sais pas que tu travailles pour moi. Voilà. Il ne s'en revient pas. Il dit, c'est moi dans tout ça. C'est moi dans tout ça. Mais, oh Dieu, sauve-moi. En ce moment, beaucoup vont devenir chrétiens. C'est un enfer, tu vas trouver les meilleurs chrétiens. Les meilleurs évangélistes. Tu vas les voir en train de pleurer, en train d'adorer Dieu en enfer. De tous les cœurs. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus rien. Je vous dis, quand vous suivez les témoignages sur l'au-delà, ça, c'est que ça, ça pèse le cœur. Quand vous voyez comment notre Seigneur Jésus, il souffre de voir ses enfants au milieu de ces tortues-là, mais il ne peut rien. Il ne peut rien faire contre sa propre parole. Il ne peut pas. Il reste sa parole. La Bible dit, après la mort, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le Seigneur ne peut pas aller contre sa parole. S'il peut le faire, il peut vider même l'enfer en une seconde. Mais il ne peut pas le faire. S'il le fait, c'est qu'il sera obligé d'accorder le salut à Satan aussi. Et ce qui ne pourra jamais être fait. Alléluia. C'est pour ça que de ton vivant là, il te donne. C'est qu'il fait tout pour que tu sois sauvé. Il fait tout. Tu as chuté plusieurs fois et il t'a pardonné plusieurs fois. Mais tu ne sais pas si la dernière chute là, tu vas mourir dedans. Tu ne sais pas. C'est ça qui est dangereux. Alléluia. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut éviter de céder à la dernière tentation. Parce que tu ne sais pas si c'est dans la dernière tentation que tu vas mourir. Tu ne sais pas si c'est dans le dernier mensonge que tu vas mourir. Tu ne sais pas si c'est dans la dernière masturbation que tu vas mourir. Faut faire attention. La grâce que le Seigneur t'accorde, c'est tellement cher qu'il ne faut pas t'amuser avec. Donc on va lui montrer. On va lui montrer tout ce qu'il a fait sur la terre. Il dit voilà, liez-le, jetez-le dans les abîmes. Et c'est comme ça. Et voilà. Maintenant, les cellules qui sont là-bas, voyez comment les gens sont enchaînés. Comment les démons torturent les gens. Les menteurs. Là où on met les menteurs dans des cages remplies de serpents. Des serpents qui rongent leur bouche, leurs yeux. Parce que de son vivant, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. La Bible a été claire. Celui qui ment est du diable. Voilà, le diable est le père du mensonge. Donc, le chrétien ne doit pas vivre dans le mensonge. Le mensonge. Amen. Plusieurs cellules. Voilà. Ce que vous venez de voir tout à l'heure, ça c'est la cellule. La cellule des paroles vaines. Voilà. Mensonges, paroles vaines, moqueries, médisances. Tout ce qui sort de ta bouche comme déchet. Tout ce qui sort de ta bouche comme déchet. Ça, une cellule. Il faut éviter.
ta bouche. Il faut garder ta langue en bride. Alléluia. Il faut garder ta langue en bride. Ne permets pas de sortir n'importe quoi de ta bouche. Mieux vaut garder le silence de toute ta vie que de sortir des paroles vaines qui vont produire des épines contre ton âme en enfer. C'est important. Ceux qui ont des pensées impures, les têtes sont rongées de ver. Le ver, je ne sais pas si vous connaissez ces gros vers qui rongent les palmiers là. Hein? Nous, chez nous, dans nos langues, on appelle ça train. Voilà. Des gros vers qui rongent la tête de ceux qui ont des pensées erronées sur Dieu, des pensées philosophiques, ceux qui sont imbus de leurs propres pensées, ceux qui sont imbus de leurs propres pensées, ils pensent connaître, ils pensent être plus intelligents que Dieu, mais leur intelligence sera rongée en enfer. Parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Et ils ne lui ont pas donné gloire. Donc leurs pensées seront rongées. Les fumeurs en enfer. Si tous les Sénégalais pouvaient être là pour suivre ces choses, malheureusement, ça n'a pas été le cas. La fumée, les boissons alcoolisées, derrière tout ça, il y a l'esprit de serpent. Et ceux qui vivent dans ces choses-là, sans repentance, seront torturés en enfer. Je vous le dis. Enfin, c'est un lieu de tourment. Les buveurs, voyez, ceux-ci, on a chauffé de l'huile. On a chauffé de l'huile qu'on est en train de leur faire boire. De l'huile chaude. C'est des tortures. Voyez, parce que de son vivant, il se donne aux boissons alcoolisées. Il vit de ça. Ah, on peut boire la bière. Non, on peut prendre un peu. C'est beaucoup là que la Bible refuse. C'est l'essai que la Bible refuse. Je te dis en vérité, repentance. Si tu vis dans les boissons alcoolisées, c'est grave. C'est grave. C'était dit non, la Bible dit de ne pas se livrer. Que c'est livré là que la Bible dit. Je te dis en vérité, en vérité. Même 1% peut te conduire en enfer. Il faut faire très attention. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter un corps saoulé. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de l'alcool. C'est ce que ça veut dire. Quand Apôtre dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est ce que ça veut dire en réalité. Ne soyez pas remplis du vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter un corps avec un corps saoulé. Si tu es saoulé, là, c'est l'esprit de serpent qui te conduit. C'est pour ça que vous allez voir que les gens comme ça, ils marchent en dandinant comme ça. C'est l'esprit de serpent. C'est l'esprit de serpent. Et le Saint-Esprit ne peut pas trouver sa place là. C'est pour ça que vous devez chercher à être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le dégoût de toutes ces choses-là. Tu as le dégoût. Alléluia. Tu as le dégoût. Tu as le dégoût. Alléluia. Voilà, ceux qui se suicident, ils ont aussi un emplacement en enfer. Ceux qui se laissent emporter par les soucis de la vie, les problèmes de la vie. Et Jésus dit, venez amener les soucis vers moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et chargé, je vous donnerai du repos. Et ils n'ont pas entendu cette voix-là. Ils n'ont pas entendu cet appel-là. Et ils se sont
emportés dans leurs soucis et se sont suicidés. Malheureusement, il y a un emplacement qui les accueille là-bas. Et ce n'est pas du tout joli à voir. Que rien ne vous pousse jamais à aller au suicide. Voilà, on a mis des gens dans des tonneaux remplis, on est en train de chauffer, on a mis d'autres gens dans des motos, on est en train de les piler. Les sorciers en enfer sont torturés. C'est pour ça que nous crions, si tu as la sorcellerie, ça peut arriver. La plupart de ceux qui ont la sorcellerie, ce n'est pas de leur propre volonté. Donc, ce n'est pas ta volonté qui est rentrée dedans, mais tu peux sortir. Parce que là-bas, on ment. On leur ment que voilà, tu ne peux plus sortir. Ou bien on va te dire que oui, tout ce que tu fais ici, si tu vas dire ça, on va te tuer. C'est faux. C'est faux. Plusieurs ont été des grands sorciers, mais aujourd'hui qui sont des grands pasteurs que le Seigneur utilise. Donc si toi aussi tu es dans la sorcellerie, répands-toi simplement et confesse. Le Seigneur va te libérer. Il va te pardonner. Il va te laver. Il va te sauver. Mais si tu meurs dedans, dans le silence, et si tu continues de tuer les enfants, si tu continues de boire le sang humain, si tu continues de manger la chair humaine, si tu continues de voyager la nuit, si tu continues de détruire la grossesse des gens, je te le dis, ah, là-bas c'est terrible. Je te dis en vérité. Donc si tu as dans la, si tu as la sorcellerie, tu peux être conscient ou inconscient. Il faut déclarer de ton vivant. Confesser. Confesser. C'est le premier pas pour que le Seigneur puisse te libérer. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse te libérer. Mais si tu meurs dedans, c'est grave. Voilà. Voilà une cellule. Et dans cette cellule, voyez, cette dame se retrouvait dans, au milieu des flammes. Et un démon qui a pris la lance qui est en train de la torturer. Et en même temps, un gros serpent qui cherche à arracher sa tête. Regardez tous ces tourments-là. Il y en a même qui vivent ça dans leurs rêves. Il y a certains qui vivent dans des cauchemars du genre. Je vous dis, c'est terrible. L'homme va vivre tout ça. Et ce que vous pouvez vivre en enfer, c'est 100 fois plus. C'est que c'est plus papa même que si vous étiez sur la terre. Palpable, plus de 100 fois plus palpable que si vous étiez sur la terre. C'est que vous sentez comme ça que c'est vous-même. Alors, faut pas s'amuser. Voilà d'autres gens. Vous voyez, les délinquants en enfer. La vie de délinquance. Tout ce qui est délinquance. Voyez, la vie de mondanité, les musiques mondaines. Si tu es ici et tu as des musiques mondaines sur ton portable, il faut, effacer. Il faut effacer. Tu es, si tu as des jeans déchirés, destroyers, ou même des jeans simples,
derrière tout ça, c'est l'esprit du monde. Où tu as des habits sur lesquels on a dessiné des images bizarres. Il y a des images qui sont là. Et tu portes ça. Il y a un esprit derrière ça. Je vous le dis en vérité. Il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Deux. Alors, il faut savoir que c'est l'esprit des ténèbres. Et l'esprit de délinquance aujourd'hui a pris les jeunesses en otage. Vous ne pouvez pas imaginer, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux. Je vous demande pardon. Ne laissez pas vos portables à la disposition de vos enfants. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Sinon, c'est quand vous êtes en train d'ouvrir le portail de l'enfer devant lui. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'ils sont capables de devenir. Les programmes de télévision aujourd'hui, c'est des choses terribles. Le monde est pourri, peuple de Dieu. Si le Seigneur peut accélérer un peu les choses pour que nous quittons vite cette terre, ce sera tellement bon, je vous dis la vérité. Sinon, si j'imagine le monde, si la trompette ne sonne pas, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être? Dans 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Dans 20 ans, hey! Qu'est-ce qui serait en train de se passer si Jésus n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas où. Vous-même regardez comment le monde court. Le monde court. Le monde file. Ça file vers où? Vers l'enfer. Le monde court vers l'enfer. Vers l'enfer. Toutes les portes de l'enfer sont aujourd'hui ouvertes. Toutes les portes de l'enfer sont aujourd'hui grandement ouvertes. Et accueille des millions de gens. Mais vous, le Seigneur veut que vous travaillez pour ne jamais vous laisser emporter. C'est pour ça que vous devez vivre avec l'intelligence renouvelée. Que votre conscience ne soit pas perdue. Sachez que vous devez rester concentré en tant qu'un enfant de Dieu pour que le Seigneur puisse veiller sur vos âmes. Mais vos enfants, même à la maison, vous devez les éduquer selon la parole de Dieu et non selon les jeux vidéo et non selon les dessins animés. Je vous dis, chez moi, on ne regarde pas dessins animés. Chez moi, il n'y a pas jeux vidéo. Chez moi, là, il n'y a que la chaîne Jésus Régis TV. En dehors de ça, tu prends ta Bible. En dehors de ça, tu prends ton cahier. Voilà. Les gens vont dire, ah, les enfants seront abrutis. Abrutis de quoi? Abrutis de quoi? Ah, tu veux que ton enfant soit, hein, soit branché, hein, qu'il soit intelligent. Intelligent selon quoi? Selon le monde. C'est une folie devant Dieu. L'intelligence de ce siècle devant Dieu, c'est une folie. Je vous le dis. Et nous sommes dans toutes les folies sur la terre aujourd'hui. Sur la terre aujourd'hui. Alors, vous, vous devez faire attention. Quand vous laissez votre télécommande à la disposition de vos enfants. Et ils suivent les programmes, les dessins animés aujourd'hui. La plupart des dessins animés sont pourris. Vous allez voir même des images de pudicité déguisées. Et on enseigne ça à vos enfants, même dès l'âge. Et vous laissez vos enfants être éduqués dans ce sens-là. Vous laissez les jeux vidéo éduquer vos enfants. Vous laissez les dessins animés éduquer vos enfants. Et quand vous quittez la maison, c'est sur votre lit là. Ils vont aller commettre les pudicités,
l'abomination sur votre lit même, vous ne saurez rien. Parce que vous avez laissé la télé à la disposition. Alors attention. Aujourd'hui, le monde est éduqué par les réseaux sociaux, par la télévision. Aujourd'hui, avec le phénomène de TikTok, si ton enfant découvre TikTok, c'est fini. TikTok, c'est l'enfer. Je vous le dis, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est l'enfer. Le diable multiplie les choses pour l'enfer. Moi, j'ai tenté d'installer pour vous. Je vous dis, j'ai vite désinstallé. C'est l'enfer. Il n'y a rien à dire. Je peux même pas évangéliser sur ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas évangéliser sur ça. Je vous dis, tous les images que tu vas voir, c'est que ça détruit ta pensée même. Ça détruit ta pensée. Donc attention, toutes ces choses-là, le diable éduque le monde par ces choses-là. Donc vous devez veiller. Attention, vous allez voir la manière de s'habiller aujourd'hui là, forcément, c'est à travers la télévision. La manière de se coiffer aujourd'hui par les jeunes, forcément, il y a une star qui a fait ça. Ils ont vu. Et les stars sont là. Les stars de coupé décalé, les stars de hip-hop, les stars de R&B, chacun dans son domaine. Le diable les utilise sur la terre pour éduquer les hommes à sa manière comme lui veut. Et le Seigneur veut que nous fuyons ces choses. Donc ceux qui vivent dans la délinquance, moi j'étais un ancien délinquant et je connais la vie de délinquance, ce que ça signifie, c'est pas joli et ça ne peut pas sauver. Tout ce qui est dans le monde, c'est pour avaler l'homme. Donc veillez sur vos âmes. Regardez des gens qui ont passé leur vie dans la délinquance, en train d'être torturés en enfer. Voilà des gens qui ont vécu dans la mort, en train d'être jetés en enfer. Et je vous dis pas de pitié. Pas de pitié. En enfer, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Des rappeurs. Voilà. Des rappeurs. Des hip-hopers. Des yorobos. Des coupés décalés. Tout ce monde-là. En enfer. Je vous l'ai déjà dit. Et je vous le répète, supprimez tout ce qui est musique mondaine sur votre portable. Supprimez. Je vous demande pardon. Ce que vous écoutez, si ça ne glorifie pas Dieu, c'est que ça glorifie Satan. Et vous vous faites envahir vos vies de millions de démons. Juste pas ce que vous écoutez. Alors, supprimez tout ça pour que votre âme soit en sécurité. Alléluia. Pour que votre âme soit en sécurité. Nous sommes au Sénégal. Les djengou, les entends ici. Alléluia. Excusez-moi beaucoup. Mais s'il n'y a pas Jésus dedans là, c'est l'enfer. Quel que soit c'est chanté dans ta langue, quel que soit c'est ta culture, je ne sais pas. Si ce n'est pas Jésus, c'est l'enfer. Et même les chansons, les clips chrétiens dans lesquels tu vas voir les femmes en train de tourner les fesses.
Il ne tourne pas fesse pour Jésus, hein? Il ne tourne pas fesse pour Jésus. Évitez. Le monde est pourri, je vous le dis. Si vous pouvez comprendre, on sera tous en paix. Le monde est pourri. L'église même est pourrie. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train de faire le tri. Il est en train de faire le tri. Le tri, c'est le tri qu'il a fait pour que vous soyez là. Acclamez pour Jésus. C'est un tri. Alléluia. C'est un tri qu'il a fait. Il a trié, il a tamisé. Et il va encore tamiser encore. Alléluia. Donc, chaque fois qu'on tamise là, il faut que vous sortez toujours parmi les élus. Amen. Parce que les persécutions, de temps en temps, montent à un niveau. Vous avez vu? Trouvez-vous-même, vous trouvez. Il faut voir comment c'est tellement suspect que Satan va encore combattre. Jésus revient avec Jésus revient. C'est pas suspect? Tout ça là, c'est pour tamiser. C'est pour tamiser. Il va créer tout contre nous. Multiplier les attaques. Multiplier les persécutions. Multiplier les scandales. Pourquoi? Parce que nous avons osé dire oui à Jésus pour faire ce travail. Ce que vous êtes en train d'entendre là, dans les oreilles de Satan, ça sonne mal. Ça sonne mal. Si on vous dit le nombre de démons qui sont déployés contre nous pour qu'on nous tue, vous ne pouvez pas imaginer. Mais il sait qu'il ne peut jamais nous tuer. Parce que Jésus-Christ détient la clé du séjour de la mort. Amen. Hey, mon papa est à la présidence. On va me chasser de présidence. Ah, il détient la clé. Donc Satan même sait que la mort, il n'y a pas de mort pour moi. La mort subite là, c'est impossible. Je mourrai en paix en Jésus. Le jour où Jésus va te tuer. Alléluia. Donc quand il nous voit, il est énervé. Quand il voit le groupe Jésus revient, il est énervé. Il ne sait pas quoi il va faire. Peut-être bientôt il va créer Jésus revient 3, Jésus revient 4. Et il va multiplier les faux Jésus revient sur la terre. Pour que vous ne connaissez plus le vrai. Vous savez, il va multiplier les faux Jésus revient. Et de temps en temps, il va multiplier les scandales contre le vrai Jésus revient. Pour que vous soyez déchus du vrai Jésus revient. Pour aller maintenant dans les faux Jésus revient. C'est son système. C'est de bonnes guerres. Ah, nous sommes en guerre. Il multiplie les attaques contre nous. Il multiplie les attaques, les persécutions, tous les scandales, il multiplie contre le vrai Jésus qui a reçu la mission d'allumer le feu du réveil pour réveiller les enfants de Dieu. Et nous faisons le travail tel que le Seigneur nous a confié. Mais il n'est pas content. Comme il a tout fait pour nous éteindre, ça n'a pas marché. Maintenant, il va multiplier. Les faux, les faux. Vous allez voir, quelqu'un va quitter parmi nous pour aller crier maintenant, son Jésus revient. Quelqu'un va quitter demain pour aller crier, son Jésus revient. Et tout ça, hey, les gens vont le suivre. Quand tu quittes le vrai pour aller suivre le faux, quel que soit le miracle que tu vas aller recevoir dans le faux, ça ne peut pas t'aider pour entrer au ciel. Je vous dis, je prie pour les milliers d'âmes qui sont en train d'être égarés. Je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous dire comment mon âme souffre. Vous voyez que voici ce que Jésus a testé. Et un homme se détache pour aller créer son faux. Avec un faux logo. Et vous le suivez bêtement. Hey! Dieu dit, moi j'ai déjà oublié ça. J'ai déjà laissé.
Ils n'ont qu'à créer, dit Jésus revient. Mais je sais que ceux qui ont le sceau de Jésus là, ils connaîtront parmi les 10 là, ils connaîtront le vrai. Et vous demeurez dans le vrai. Amen. Qu'est-ce que vous avez quitté pour venir à Jésus revient? Vous avez fui les manipulations dans les fausses églises, le mensonge dans les fausses églises, dans les églises de la voie large. Et maintenant vous êtes venus dans la sainte doctrine. Et on va encore vous manipuler avec un faux Jésus revient et vous acceptez bêtement sans savoir que c'est le même Satan qui est en train d'opérer. Alors veillez sur vos âmes. Donc je vous dis, tous ceux qui portent la marque de l'ennemi, vous devez fuir. Vous devez veiller sur vos âmes. Vous devez être vigilant pour ne pas perdre votre couronne. Je vous le dis en vérité. Le moment viendra même où on ne pourra même plus s'asseoir à toi pour parler de Jésus. Mais jusqu'à ce que ce moment vienne là, la trompette va déjà sonner. Amen. Alors, persévérez encore. Persévérez encore. Apprenez à prier à Dieu. Apprenez à prier à toi. Apprenez à prier seul. Parce que les temps difficiles vont encore se multiplier. Les temps difficiles vont encore se multiplier. Mais ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, voilà. Ceux qui ont passé leur vie dans la fornication, hein, les pédés, ceux qui ont vécu dans la sodomie et tous ces choses-là, regardez leur traitement. On les a écartés, on les a écartés, on les a attachés, on les tire. Et les démons vont prendre la lance et les baissent leur partie intime. Regardez comment c'est dur. Regardez comment c'est dur à supporter. Tout ça là, à cause de la désobéissance sur terre. Et il faut seulement une seconde pour demander pardon à Dieu. Et Jésus va effacer tout ça. Mais l'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas. Quelqu'un m'envoie un message aujourd'hui. Sur Messenger, parce qu'il y a des soeurs en France, ils vont dans les boîtes aux lettres et ils mettent des traités dans les boîtes aux lettres. Et quelqu'un a reçu ça et il a vu mon numéro. Il m'envoie un message à inbox et il me dit si jamais je vois encore boîte de vos traités dans mon boîte aux lettres, je vais vous convoquer à la gendarmerie. Je lui ai dit, mon ami, Jésus est venu sur terre, il a apporté la paix. Et les gens l'ont crucifié. Jésus nous envoie aussi pour vous annoncer son amour. Et on le fait. Et on n'a pas peur d'être traduit à la justice. Donc tu peux aller nous convoquer. Mais nous, tant que nous sommes vivants, on va toujours t'informer que l'enfer est réel. De donner ta vie à Jésus. Si on va aller en prison pour ça, on est prêt à aller. Je vous le dis, on n'a plus peur des intimidations. Mais on respecte la loi. Mais dans la loi, là, on fait ce que Jésus nous demande de faire. Alléluia. On n'a pas peur d'aller dans les pays musulmans. Hein. On n'a pas peur d'aller dans les pays arabes. Partout Jésus nous envoie, on va aller. Si nous envoie en Afghanistan, on ira. On ira prêcher aux talibans. Alléluia. On est là prêché. Alléluia. Parce que le monde est vraiment, aime tellement le moi. Le monde aime les ténèbres. Mais la lumière doit briller au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Si vous savez encore des images de pornographie, des choses, tout ça là, encore sur vos portables, je vous demande pardon. Supprimez tout ça là. Supprimez tout ça là. Et si vous vivez dans le copinage, 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 copinage,
Je vous le dis. Je vous le dis, si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu as l'âge de te marier, prie. Le Seigneur va t'aider de la meilleure manière. Mais tu penses que bon, tu n'as pas le moyen, tu vas te vendre ton corps pour vivre. Tu vends ton corps pour vivre. Mais en enfer, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu ne sais pas. Alors, fais attention. Voilà. Les ordures, on est produit dans le sein des gens. On a coupé le sein de certains. Tout ça. À cause de la désobéissance, à cause de la vie de débauche. Voilà des prostituées qu'on a attachées, crucifiées, en train d'être torturées. Il n'y a pas de pitié en enfer. Il n'y a pas de repos. Ça, c'est la pitié. Ici, cette machine va découper les gens, dépiécer les gens, et une autre machine va les broyer. Voyez. Voyez le salaire de la pornographie. Voilà ceux qui ont passé leur vie dans la pornographie. Comment ils sont traités. Voyez le salaire de l'avortement. Ici, vous avez vu, on a mis des sacs dans lesquels on a mis des verres cassés, des clous et tout. Et on a mis maintenant des gens dedans et on a attaché. On a mis ça sous l'arbre. Parce que de toute leur vie, ils ont avorté des enfants. Lorsqu'un enfant rentre dans leur ventre, ils vont l'avorter. Mais ils ne veulent pas s'empêcher de tomber enceinte. Ils vont aller coucher avec des inconnus. Et comme ils ne veulent pas garder la grossesse, ils vont la voter. C'est des crimes. Oh Dieu! Et voilà. Voilà. La masturbation et aussi ce qui est passé leur vie. Dans la polygamie. Voilà le lac de feu. C'est brûlant. Voilà. Les enfants accro aux jeux vidéo, les dessins animés, je vous l'ai déjà dit. Ces choses-là, n'éduquent pas vos enfants, mais ça les détruit. Ça les détruit. Ça les détruit. Scorpions pour les torturer. Le Seigneur veut voyez imaginez combien c'est
guéri de vivre tout seul. Voyez celui-là, on est en train de le découper. Les chrétiens paresseux et ceux qui se sont rétrogradés. Voilà. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu, ils ont goûté au salut, ils ont vu les manifestations du Saint-Esprit et tout ça, mais qui se sont rétrogradés, c'est-à-dire ils sont retournés dans le monde. Hey! Hey! Tu as incité Satan sur la terre, tu l'as traité de tous les noms, et tu retournes dans sa case. Oh! Je vous dis, c'est terrible. Ne commets jamais cette erreur. Même si c'est difficile, mieux vaut rester avec Jésus. Il va te faire grâce. Mais si tu retournes, si tu retournes, je ne veux pas être à ta place. Je te dis la vérité. Et c'est pour ça que l'ennemi lutte tous les jours pour pousser les chrétiens hors de l'église. Par les toutes sortes de tribulations. Quand tu dis, ah, j'ai compris, je laisse, ils vont dire, voilà. C'est maintenant que tu as compris. Mais en enfer! Hey! Alors, que rien ne t'enlève des mains de Jésus. Je te dis la vérité, que rien ne t'enlève des mains de Jésus. Parce que Jésus a payé un prix élevé pour que tu sois dans ce salut-là. Donc il ne faut pas te détacher. Je t'en prie. Voilà, les tatouages. Voilà. Ceux qui ont fait des tatouages, je vous le dis en vérité, c'est la mort. Le tatouage, c'est une alliance même avec le diable. C'est un pacte direct avec le diable. Même le plus petit tatouage. Je vous le dis. Le tatouage, c'est comme un rituel même. C'est comme si tu es en train de verser ton sang en sacrifice. Ceux qui l'ont fait avant de venir dans le Seigneur, il faut. Je suis avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, de toute leur vie, on leur a parlé de Jésus. Ils ont rejeté, ils ont refusé. Ils ne veulent pas entendre. De toute leur vie, en enfer, c'est des milliers de serpents qui roulent dans leur vie. De la haine et du non-pardon. Le salaire de la haine, du non-pardon. Regardez, sont rongés des vers. Dans le trou, il cherche à sortir. Regardez sa bouche. On dirait ici, c'est comme un couple qui ne s'aime pas, qui ne se pardonne pas. C'est terrible. Tu dois pardonner. Malgré que c'est dur d'être offensé. Mais si on doit pardonner. On doit faire l'effort de pardonner. Je vous le dis. Voilà. Il va tenter de fuir, mais on ne fuit pas. Il n'y a plus pas.
Amen. Il n'y a nulle part ici. C'est pour ça le Seigneur veut que de notre vivant, au moment où nous sommes en train de voir ces choses, que nous créons son nom, que nous abandonnons le monde et ses rudiments, que nous fuyons le péché, que nous fuyons les choses du monde. Le Seigneur veut pas que ses enfants continuent de vivre avec les choses du monde, des choses qui souillent leur corps, leur âme et leur esprit. Nous devons abandonner cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Ah, certains sont partis. Certains sont endormis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, pour finir, nous allons beaucoup parler. Nous allons beaucoup crier contre le jézabélisme. Ce n'est pas un enseignement que nous voulons donner, mais c'est pour vous dire que tout ce qui est lié aux ornements, tout ce qui est lié aux parures, toutes ces choses-là, derrière ces choses, il y a l'esprit de Jézabel. Et derrière l'esprit de Jézabel, vous savez que c'est l'enfer. Donc le Seigneur ne veut plus que vous mettez ces choses-là. Vous avez bien fait d'enlever, mais ne remettez plus. Les mèches que vous avez enlevées, ne les remettez plus. Parce que derrière ces choses, il y a les esprits démoniaques, les esprits de serpents, les esprits de sirènes, les esprits du monde. Toutes ces choses-là, ça porte le sceau du monde. Et vous ne devrez plus mettre ces choses-là. Les esprits derrière les mèches, les faux cheveux, voilà les serpents derrière ces choses. Et quand vous mettez ces choses, vous mettez votre âme en danger. Voyez, vous mettez votre âme en danger. Voyez les serpents. Et c'est quand ces serpents commencent pas à bouger, quand ces serpents commencent pas à danser, que vous allez voir les femmes commencent pas à taper leur tête. Commencent pas à taper leur tête. Alors que c'est toi qui les as hébergés sur ta tête. Faut les laisser danser. Faut les laisser danser. Père de Dieu, il faut que vous soyez réellement conscient de toutes ces choses-là. Et informez aussi votre entourage, ceux qui sont encore dans ces choses-là. Beaucoup le savent. Mais ils vont te dire, si j'enlève ça, je ne vais pas trouver de mari. Si tu trouves de marier, tu vas en enfer. Certains vont dire non, c'est à cause de mon mari que je ne peux pas enlever. Certains vont même te dire oui, c'est vrai, je vois les serpents dans mon songe. Oui, je les vois, je les vois. Mais ils ne veulent pas enlever. Ils vont remettre toujours à demain. Mais toi, le Seigneur veut que, dès maintenant, que tu comprennes que toutes ces choses, derrière ces choses-là, c'est la mort. Et tu ne dois plus continuer de les utiliser. Tu ne veux plus
Voyez, le monde avec la mode aujourd'hui, tout ce que le diable envoie aujourd'hui sur la terre, regardez, ça c'est la mode. Voyez, des hommes qui s'habillent comme ça. Voyez, le monde dans sa pourriture, le monde avec ses rudiments, le monde avec ses abominations, voyez, toutes ces choses-là envahissent le monde et viennent tout. Ça vient de l'enfer, ça vient du monde de Lucifer. Et ils envoient ça sur la terre, pourquoi? Pour que les hommes puissent copier ça. Pour que les hommes puissent faire exactement comme ça. Voyez, des hommes qui s'habillent, voilà, en jupe. Voyez, regardez ça. Tout ça, c'est aujourd'hui sur la terre. C'est pour ça que nous devons racheter les temps. Parce que le monde est rentré vraiment dans la pourriture, l'abomination des abominations. Regardez, tout ça, c'est sur la terre. Le Seigneur veut que nous ouvrons nos yeux pour savoir que il n'y a plus rien à espérer sur la terre. Certains vont dire non, on peut s'habiller, voilà, c'est exagéré. Ça, c'est ceux qui vont parler de la culture. Voilà. Certains vont dire non, il ne faut pas exagérer, c'est tout, sinon chacun peut s'habiller comme il veut. Je vous en prie, les temps sont vraiment finis. Voilà l'esprit de Jézabel, à quoi ça ressemble. Et ça, c'est une marque de produit de beauté. Voilà. Vous avez vu ça? Exactement, Jézabel assis sur son trône. Sur son trône maudit. Pour posséder les femmes. Vous voyez les femmes et les hommes à genoux devant pour recevoir sa malédiction. Pour envahir le monde. On a eu ça, c'est au Gabon, nous avons vu cette affiche-là. C'est que ça dit beaucoup de choses, si les gens peuvent comprendre. Ça veut dire beaucoup de choses, si les gens peuvent comprendre. Et cet esprit-là possède toutes les femmes qui vont se mettre dans leurs choses, dans leurs paris, les chaînes, les boucles d'oreilles, les pommades éclaircissantes, moississantes, je ne sais quoi. Toutes ces choses-là, l'esprit-là rentre directement dans leur vie. Mettez-les à vos pieds. Voilà. Mettez les hommes à vos pieds. Mettez les humains à ses pieds. Donc, mon frère, ma soeur, tous ceux qui conseillent ces choses-là, vous devez les fuir. Vous devez abandonner. Abandonner, 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 abandonner pour votre salut. Parce que le temps qui reste devant nous, c'est un temps où nous ne devons plus nous amuser. Nous ne devons plus nous amuser. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Sois fier de comment Dieu t'a créé. Ne cherche pas à corriger Dieu. Ne cherche pas à modifier ce que Dieu t'a donné. Si tu es noir, accepte ta peau noire et bénis le Seigneur. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas demandé. C'est pas toi qui as demandé à Dieu de te faire des cheveux avant qu'il te donne des cheveux. C'est pas toi qui as dit à Dieu de te donner des hommes, mais il t'a donné les hommes. Maintenant, tu vois que ce que Dieu t'a donné là, c'est pas bien long.
et tu vas aller payer des plastiques pour porter, c'est que tu es en train de te moquer de Dieu. Alors, il ne faut pas, il ne faut plus jamais te moquer de Dieu. Peuple de Dieu, voilà en quelques images ce que le Seigneur nous met à cœur à partager avec vous. Et l'essentiel à retenir, c'est que l'enfer est réel. Le paradis aussi est réel. Et si vous vivez dans le péché, sachez que vous êtes en train de vous préparer pour l'enfer. Or, le Seigneur ne veut pas que vous soyez accueillis en enfer.